tout le monde, on se retrouve pour un mini haul action. J'en ai eu pour 38 euros, je suis allée à la Teste de Buch. Et pourquoi la Teste de Buch? Parce que je passe 3 jours là-bas en vacances avec ma famille. Donc je vous montre de suite ce que j'ai trouvé. Donc pour commencer, j'ai trouvé ces petits puzzles sur le thème de Pâques. Voilà, donc avec des petits œufs, des petits lapins, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est à partir de 3 ans et il y a 45 pièces dedans. Donc en tout, il fait 35 par 25 cm. Et ensuite, le deuxième puzzle également. Donc on a celui-là avec les petits lapins, donc tout gris, différent du premier. Donc toujours un 45 pièces, 35 par 25 cm. Et donc c'est un 3 ans plus. Voilà, donc il y avait différents modèles. En tout, il y en avait 4. Nous, on a pris ces deux-là. Ensuite, donc là, ils ont fait les puzzles tout à l'heure. Donc vous avez le premier. Donc les pièces sont assez grandes, je trouve. Hein. Voilà, c'est assez facile pour l'enfant. De toute façon, il y a le modèle directement sur la boîte. Il peut les ranger après à l'intérieur. Donc chose qui est très pratique. Et il y a cette petite corde qui est attachée, donc pour pouvoir le transporter. C'est très ludique pour l'enfant, je trouve. Voilà, moi, elle s'est baladée dans le magasin comme ça, toute seule, voilà, avec ces deux petites boîtes. Et le deuxième, il est là. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont très, très, très jolis. En tout cas, elle a pris plaisir à le faire. Bon, après, vous me direz, forcément, ma fille, elle a 5 ans, elle est trop petite, c'est du 3 ans plus. Oui, je suis d'accord. Mais action, il n'y avait pas d'autres puzzles. Et moi, comme vous pouvez voir, pour les vacances, on lui a pris du 5 ans plus. Elle a bien des 100 pièces, donc ça, elle sait les faire. Mais c'est juste qu'elle me dit, mais maman, j'ai pris qu'un seul puzzle et voilà, je l'ai terminé. J'ai envie d'en avoir des nouveaux. Donc, comme il y avait action juste à côté, j'en ai profité pour aller lui en acheter et malheureusement chez Action il n'y avait que cela. Donc voilà. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop gênés par le vent parce que là le vent il a commencé à monter. J'ai tourné le début de la vidéo avant de partir à la plage et je termine le haul en rentrant. Et donc j'ai acheté ce livre de coloriage. J'ai vu qu'un seul modèle. Donc les dessins sont assez beaux. Il y a des stickers à l'intérieur au milieu. Ensuite, classique, les schistoses au fromage, les petites chips. Après, j'ai voulu tester également, j'ai pris les ongles comme ça, des faux ongles. Donc, il y avait différents modèles, il y avait des roses, il y avait des rouges, il y avait des gris également. Voilà, il y avait des pailletés, des non pailletés. J'ai pris des classiques, on verra bien si ça tient ou pas. Je vous ferai un retour directement sur Instagram. Après, pour rester toujours dans la beauté, j'ai pris ce masque pailleté. Donc c'est un peel off glitter mask. Après j'ai pris également les bouteilles d'eau classiques. Donc là c'est l'eau pétillante au citron, il y a le Fanta. J'ai pris un Sprite également. Donc celle-ci j'en ai pris deux, celle-ci une et j'ai pris un Sprite également. Voilà. Après, qui dit vacances dit obligatoirement des enfants qui se salissent et qui ne prévoient pas suffisamment de chaussettes. Donc, un petit lot de chaussettes. Donc là, c'est pour Enoa, c'est du 27-30. Loane, ça va, elle peut piquer les miennes. Donc, j'ai pas de problème. Et après, ils ont mis en place... Après, ils ont mis également la décoration pour tout ce qui est jardin, tout ça. Je vous en avais parlé dans le précédent haul. Et j'ai trouvé ce genre de petite maisonnette. Voilà, donc c'est solaire. Je trouvais ça trop, trop beau. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris celle-là également. Donc, le petit champignon, comme ça, avec des petits volets, des petites fenêtres. Et donc, il y a celle-là. Après, j'ai trouvé également cette petite libellule. Je dirais que c'est une petite libellule. Il y a la petite, le petit interrupteur ici pour allumer. On peut changer la pile. Donc, il y avait différentes sortes, différentes couleurs également. Donc là, j'en ai pris une rouge et une violette. Et donc, j'ai pris ces petits nains pour venir décorer autour. Donc ça, ça ira dans le parterre de fleurs. Et je pourrais poser à côté des maisons, en fait, les petits nains. Donc là, on a le nain qui joue de la flûte. On a le nain qui coupe, donc le nain bûcheron.
le nain musicien et on a le nain. Alors là, tu sais qui ce aime que les c'est? champignons. Donc on improvise système D, hein. J'ai pas mon trépied en vacances, donc c'est mon chéri qui me filme, qui tient la caméra et qui ne bouge pas. Je lui ai dit, tu ne bouges pas, donc si vous avez des différents cadres, le fautif il est derrière. Et après, j'ai pris ce genre de petits pics à enterrer dans le sol également. En fait, c'est les petits nains. Donc il y a des différentes sortes. Je crois avoir pris les quatre modèles. Voilà. Donc on peut les planter et comme ça, ça viendra à côté des petites maisons. Donc voilà, le haul est maintenant terminé. Si vous ne êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire impérativement parce que ça me fera très 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 plaisir. Et n'hésitez pas à liker également cette vidéo. Si vous me voyez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais de gros bisous.